Voilà les amis, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. J'ai bébé qui arrive. Que tu veux... Ouais, tu veux monter? Mais tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Oui, Titi. Allez, hop, on monte. Et que voilà, soyez les bienvenus sur ma chaîne. On parle couture et tricot. Je vous fais aussi part de mes expériences à la création et aussi à l'achat. Vous avez des hauls. Faudrait que tu t'assoies. Oui. Ah. Assis-toi. Assis-toi. Merci. Vous avez aussi le partage de mes expériences. Aujourd'hui, il y a mon petit beau avec moi. Parce que, eh ben, voilà. J'ai envie de tourner. Non. J'ai envie qu'il soit là pour qu'il s'y habitue quand même un minimum. Parce que faire ça tard le soir, c'est pas possible. Ou quand il est à la crèche, eh ben, j'aimerais mieux en profiter pour faire des choses qui demandent un peu plus d'investissement. Tu t'assois. Merci. Assis. Allez. Non, pas le crayon, toi. Allez, on s'assoit. Pour de vrai. Voilà. C'est très bien. N'en bouge plus. Oh, vous avez vu quelle preuve d'autorité. Cette vidéo, c'est une vidéo haul. Alors, haul de chez Altissu. Et ensuite, on fera clafoutis. Parce que c'est la deuxième fois que je la tourne, parce qu'on a eu un appel, et qu'à chaque fois que j'ai le droit à un appel, ça coupe le son, donc c'est un peu nul. Donc on va commencer par de Altissu, j'ai passé commande sur 9 coupons, de 2 ou de 3 mètres. On va commencer par les tissus viscose imprimés, peu importe lequel. Ils étaient à 3,98€ hors taxe, et j'ai toujours pris 2 mètres. Alors, mon chaton. Le premier, la grande surprise, c'est celui-là, parce qu'il a une bordure. Et je me rappelle pas avoir vu... Tu veux descendre? Non, tu veux le tissu? Tiens. Je me rappelle pas avoir vu qu'il y avait une bordure, en fait. Et alors, globalement, je l'aurais pas pris si j'aurais vu, histoire de pas me compliquer la vie. Maintenant que je l'ai, je me dis au contraire, c'est bien, parce que du coup, je peux séparer le haut du bas, et ça peut être vachement sympa. Vous voyez, les dessins sont très très beaux, hein. C'est très doux la viscose, c'est vraiment très très doux. À côté, quand on touche du coton, je dis ah. Mais non, mais non, mais non. C'est parce que c'est la matière. Tenez, monsieur, du rose. Ensuite, nous avons celui-là. C'est mon préféré de chez préféré. Il est là. Il est noir avec des feuilles d'automne. D'ailleurs, je crois que c'est le nom, automne. Fleurs automnales. Vous voyez, ils ne sont pas du tout embêtés. Hein. Fleurs automnales. Et franchement, c'est vrai, ça ressemble vraiment à des fleurs, alors que ce sont des feuilles, globalement. Non, il y a peut-être des feuilles. Des fleurs, ouais, il y a des fleurs. On dirait de... Bon, bref. Avant que je dise une bêtise, j'allais dire de magnolia, mais non, pas du tout. Bon, je ne sais pas. En attendant, je trouve ça très, très joli. Je me dis, je vais me faire un super roux avec. Tenez, monsieur. Je le mets sur lui, il fait tout ce qu'il peut pour y jeter par terre. Il est beau, hein, t'as vu? Le troisième, toujours au même prix. Hein. J'ai pris 2 mètres dans celui-là. C'est une couleur que je porte très régulièrement pour vous dire à quel point j'aime cette couleur. J'ai le pantalon assorti. Que je porte très... Tiens, oui. Hop, 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 hop. Mets-toi droit. J'ai le pantalon assorti qui est, à mon sens, très beau. Tiens, t'en penses quoi? Il est beau, hein, franchement. Regardez la finition des feuilles. Vous voyez, très très sympa. Très très joli, j'aime beaucoup. T'as tout contrôlé, bébé? Ensuite, encore de la viscose. Tissu viscose. Celui-là, j'ai pris un peu de douceur. Regardez comme je serais belle avec. Ça me va bien. Hein. Je serais belle. Ah, tu fais tout pour y passer. Regardez, franchement, ça sera trop canon, hein. Ça va être joli. Et voilà, pareil, de la viscose, couleur saumon. Alors, c'est plus rose que saumon, mais sur leur site, c'est saumon. C'est un saumon très rosé, hein, très très rosé quand même. Tu le veux aussi? Hop, tu fais attention à ne pas tomber. Hein. Là, tu n'es pas bien... Hop, pousse pas plus par là-bas, tu me prends moins peur. L'autre viscose que j'ai pris, viens là, toi. C'est celui-là. Des fleurs Selena, je crois qu'ils appellent. Selenade, non, ils appellent ça Solène. N'était pas du tout. Solène. Les voilà. Adieu, chaussettes. Il vient d'enlever ses deux paires de chaussettes. Très, très jolie, très, très sympa. D'enlever les deux paires de chaussettes. Ensuite, j'ai pris... En fait, je vous fais...
fait un haul express. Hein. Hop. J'ai pris, c'est quoi ça? Popeline. Tissu popeline coton imprimé, fleur, peu importe lequel c'est, soit en gel, soit plat, je sais pas, un pia. Pia. C'est tout au même prix, 3,95€ hors taxe, donc c'est un peu plus de 4€. T'es où bébé? Il est là. J'ai pris celui-là en popeline que je trouve fort joli. T'es où? T'es là. Je le trouve super joli, c'est un marine qui est pas trop marine, qui est plus... Oui, oui, voilà, en fait c'est un marine, marine. Voilà. Marine, marine, avec de l'ocre. Vous voyez, on retombe sur mes couleurs en fait. Hein. Oh, j'ai le cœur qui est parti. Le assis-toi. Je vais mourir d'un arrêt cardiaque sous peu, bébé. C'est une chaise à roulettes, est-ce qu'on en parle, qui vient de faire un bond de 50 cm. Dis donc, toi. Donc, le voici, le voilà, qui est très joli. Ça, par contre, j'ai pris 3 mètres. Parce que je sais pas trop. En gros, à la base, je voulais me faire une... Je voulais me faire un chemisier dedans. Je porte jamais de chemisier. Mais je voulais quand même me faire un chemisier pour histoire d'en avoir un, histoire de chemisier. Le popeline, c'est celui-là. Et lui, j'aimerais bien me le faire pour cet hiver, en fait. Avoir un... Une blouse, exactement. Pas un chemisier. Et pas un chemisier, une blouse. Là-dedans, je trouve que ça serait fort, fort joli. Parce que vous voyez, enfin moi, sincèrement, ça me fait penser à Noël. Bon, c'est des fleurs, c'est pas des flocons, mais voilà, ça me fait penser à Noël. Donc, du coup, voilà. Ensuite... Waouh, waouh, waouh. Tu fais quoi, là? Soit tu veux faire peur à maman? Oui. Non, 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 non. Fais pas peur à maman. Non, 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 non. Il est où, stylo? Il est où? Ah, il est là-bas, tu me l'as rangé. Tu me ranges tout, mon chat. Bon, après, comment je fais pour contrôler des affaires? Hop. Alors, ensuite, j'ai pris des voiles. Tissu voile coton viscose imprimé. Fleurs de ce que vous voulez ou feuilles de ce que vous voulez. J'ai pris celui-là. Alors, globalement, là, on dirait qu'il faudrait presque une doublure, mais en fait, non. Parce que sur soi, c'est quand même hyper foncé. Hein. Là, je le double volontairement pour que vous puissiez voir. La pub. Mais... Arrête. Tu vas casser. Pas sûr que c'était une bonne idée, moi. En fait, il n'a pas besoin d'être doublé parce qu'il est quand même assez opaque. Et voilà. tout ce qu'il y avait à dire. Emilia, j'ai dit non, s'il te plaît. Assis-toi. Assis-toi. Merci. Non, non, non. Assis-toi. Pour de vrai. Rends-moi ton pied. Je veux ton pied. Non, 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 c'est pas une bonne idée, ça. Tiens, c'est quoi ça? Donc, voilà, oh, je suis désolée, ça va être une vidéo catastrophique. En fait, il est suffisamment foncé pour pas qu'on ait besoin de mettre un voilage, mettre une double. Donc, voilà. Le suivant, c'est celui-là. Bouge pas, chat. Ah, on va pas tomber. Le voici. Donc, ça, c'est pareil, j'ai pris 3 mètres. Il est comme ça. C'est pareil, c'est voile de coton viscose imprimé feuille. Par contre, ce qu'il faut bien retenir dans celui-là, c'est marqué marine. Mais alors, honnêtement, il faut avoir un noir à côté pour voir qu'il n'est pas noir. Sinon, on est incapable de faire la différence. Moi, sur le coup, je me suis dit, mais ils sont plantés, ils m'ont envoyé du noir. Alors, ça ne pose absolument pas de soucis. Et du coup, voilà, je m'étais dit... ouais, parce que en fait, ça, pour moi, ça, c'est couleur marine. C'est quand même foncé. Et là, on dirait vraiment du noir. Sauf que quand on met du noir à côté, vous voyez... C'est pas encore ça. Hein. Voilà. Donc, du coup, ça marine très, 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 méga, très. Je roule sur mes... Oh là là. Quel haul catastrophique. Sur mes tissus, ça va pas du tout aller. Voilà. Par contre, j'aime beaucoup la finition. La finition est très, très belle et très, très sympa. Et du coup, je suis quand même très contente. Alors, je n'ai jamais cousu ces matières-là. Mais on sent que c'est beaucoup moins fluide que la mousseline. Donc je me dis, ça peut être sympa ça aussi de se faire des hauts dedans. Et du fait qu'il y a quand même une bonne partie de coton, voilà, je me dis, ça peut être cool.
Donc voilà au niveau tissu de chez Altissu. Mon haul est terminé de chez Altissu, les amis. Et on va parler des tissus que j'ai pris chez Clafoutis. Alors, chez Clafoutis, j'ai pris un tissu sweat pour changer, n'est-ce pas ? Molleton. Parce que j'avais envie. Voilà, tout simplement. Hein. On va pas se mentir. Quand j'ai passé commande, il y était. La promotion valait le coup. De mémoire, je ne me rappelle plus exactement des prix là, par contre, je ne pourrais pas bien vous les dire. Et du coup, voilà, très très sympa. Vous voyez la tête de mon bébé là. Vous ne le voyez plus. Et du coup, voilà, truc très très sympa. Par contre, je me dis ça, ça fait vraiment pas bébé. Donc, il va falloir que je regarde sur les suites, à partir de jusqu'à quel âge on peut avoir à mettre de tissu. Ou après, je peux très bien, il me semble que j'ai du bleu marine comme ça, je pourrais très bien faire des mélanges. Mais j'aimerais bien aussi contrôler ça. Ensuite, j'ai pris trois tissus soft shell. C'est des tissus imperméables d'un côté, à peu près, et à l'intérieur, doublé molleton. C'est fort agréable. Je me suis plantée sur quelque chose. Enfin, il faut que je vérifie si je me suis plantée ou pas. Parce que... Puis là, je ne pourrais même pas vérifier. Il leur restait un coupon. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Il leur restait un coupon de 70 cm, donc je l'ai pris. Par contre, je ne sais pas si 70 cm, si ça sera suffisant ou pas. Donc il va falloir que ça aussi je contrôle. Si ce n'est pas suffisant, eh ben, je serai dans la mise. Il va falloir que je rachète à côté. Et du coup, ce n'était pas prévu dans mon idée. Mais j'ai vu chez Butinette, il l'avait. Vous voyez, rien. C'est parfait. Ça, c'est sur celui auquel je me suis plantée. C'est pas très grave en soi. Hein. Là, je peux en faire un très simplifié, très le devant, le dos et les manches et basta quoi. Mais peut-être pas un taille 4 ans, 5 ans, etc. Moi, à la base, cela c'était fait pour faire du 4 ans. Parce qu'en 2 ans, il a ce qu'il lui faut. Qu'est-ce que tu fais avec ça, toi? En 2 ans, je vais avoir un acadème, hein, je vous le dis. Parce que du coup, il touche tout ce qu'il peut toucher. Ah oui, tu vas aller dessus? Oui. Et voilà. Allez, grimpe. Oui, Titi. Ouais, je te le donne. Tiens, c'est à toi. Tu t'assois? C'est pas ça, tu veux? Tu veux quoi? Mais si, ça, c'est bien à toi, ça. Non, c'est pas ça. Mais ça, c'est pas à toi, ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir te donner? Attends. Ça, je peux te donner. T'es prêt? Oui, Titi. Non, pas ça. Oh, t'es pénible. Et si tu regardais le super catalogue qu'on feuilletait tout à l'heure, ouais. Enfin, assieds-toi correctement. Parce que là, si tu te relèves d'un coup, tu vas faire un roulé-boulé. Parfait. Alors, ensuite, j'ai pris deux autres tissus en soft shell qui est le même, mais pas dans la même couleur. Je suis désolée, je fais des allergies du moment que je remets trop les tissus et qui sont blindés de poussière, ce qu'ils sont dans les dépôts. Donc, voilà. J'ai les cheveux, c'est une catastrophe. Je suis en tenue de maison, avec bébé qui fait du bruit. Je me gratouille le nez parce que j'ai plein de poussière avec les tissus. Et en plus, on a une lumière de misère. Bienvenue chez moi. Donc voilà, celui-là, c'est en pétrole. J'ai pris un mètre. Celui-là, je suis sûre que ça va aller en 4-5 ans sans aucun souci. Là, je suis ravie de moi, de mon achat. Et après, j'ai pris celui-là qui fait trop grand. Un bébé en 4, 5 ans, 6 ans même. Du coup, celui-là, je me dis à vérifier jusqu'à quand un mètre suffit et de voir si ça concorde avec l'âge ou s'il faut que j'en achète un autre coupon. Parce que réellement, comme on disait avec ma belle-sœur, ça fait plus ado. Ça fait pas trop au petit garçon, ça fait vraiment ado. Et du coup, voilà. Presque envie de... Ouais, voilà, de... avoir. Parce que après, le truc qu'il y a, c'est que j'ai pas envie de garder un tissu pendant 10 ans, disait-elle. Il y en a, ça fait bien 4-5 ans que je les ai, et en fait, je m'aperçois que je les utilise. Je les utilise maintenant. À voir. Enfin bref, du coup, celui-là, à voir, il va falloir que je regarde jusqu'à quel âge à mettre, c'est suffisant. Le patron que je me suis acheté, bon, c'est bien. Du coup, je me suis acheté un patron pour faire des blousons garçons. Des manteaux et j'ai pris le magnésium de chez Ivan S.
avec les options. Alors là, vous voyez juste les manteaux, donc de trois hauteurs différentes. Et les options, je les ai, en fait j'ai tout imprimé. Les options, j'ai juste imprimé celle qui m'intéressait, c'est celle avec la capuche. Voilà. En option supplémentaire pour bébé. Au tout début, je m'étais dit, tiens, je peux faire des accords maman-bébé, ça va être trop sympa, mais pas avec des dragons, on déconne pas. Par contre, j'aimerais bien trouver la même couleur, avec des dragons, avec des dinosaures. Faut que je reprenne papy qui se trompe tout le temps. Maintenant, c'est moi qui me trompe, on est bon. Et du coup, je m'étais dit, trouver la même couleur, ça peut être vachement sympa quand même. Et à voir, donc j'ai pris le pack adulte-enfant. Non, c'était pas en pack, c'était vendu séparément. Donc j'ai pris le séparément enfant adulte, donc je suis très très contente, parce que dans tous les cas, eh ben, déjà je pourrais m'en faire un pour moi, parce que dans le commerce, je suis allée voir, je suis désolée, je ne mettrai pas 140 euros dans une veste, au final, qui ne sert même pas de doudoune, parce que c'est ma taille, c'est pas un argument, c'est ma taille, 140 euros, ils sont fous. Non, alors que concrètement, en tissu, je pourrais en avoir pour 30 balles, et à tout craquer, 30-40 euros. Et c'est quand même 100 euros d'écart, 100 euros de tissu en plus, c'est tout. Enfin, vous voyez un peu ma logique pour pas acheter, pour faire. Par contre, j'ai pas trouvé où est-ce que je voulais en acheter, où est-ce que... Parce qu'en fait, j'ai une doudoune qui est en train de craquer. Et bon, ça fait... J'ai 34, ça fait 7 ans que je l'ai. Je la mets chaque hiver, donc, voilà, elle commence un peu à faire la tronche. Et je suis allée voir en magasin, c'est beaucoup trop cher. Pour ce que c'est... Alors, après, une grosse doudoune... Un truc vraiment très très chaud. Là, oui, voilà, ça va pas me déranger d'y mettre de l'argent. Mais une veste intersaison, voilà, je me dis là, j'ai des compétences pour coûter quelque chose. À peu près les compétences. Faut pas trop déconner, à peu près, je devrais pouvoir m'en sortir. Je me dis, voilà, c'est. Je vais me le faire, ça me coûtera beaucoup moins cher. Donc, voilà, surtout que du coup, j'ai fait des gros craquages quand même sur les tissus. Vu que j'ai fait des gros craquages sur les tissus, du coup, bah voilà, je me dis, ça compense un peu mes craquages. Pourquoi pas? Sachant que les patrons, ils ne sont pas donnés. Hein. On est à plus de 12 euros, je crois, avec le pack option. C'est quand même pas donné, hein, les patrons comme ça. Hein, mais au fond, je me dis, voilà, c'est, si j'en fais déjà pour mon bébé, au moins 4-5, parce qu'il y a plein de dérives, ça fait que ça ne sera pas très varié pour vous. Plus pour moi, ça sera moins compliqué. Puis ça va surtout être un gain de temps. Faut en prendre soin, bébé. Oh. Oui, mais abîme-moi le pas. Dis donc. C'est joli. Il tend ma couverture. Je ne suis pas d'accord. Donc voilà. Du coup, je me suis dit, bon, bah voilà. On dit, on va faire ça. On va se faire les vestes intersaison. Pour bébé aussi. Oui, je regarde. Et du coup, les grosses doudounes, les vraiment très très chauds, là, je pense plutôt acheter parce que bah, j'ai pas. J'ai peur de faire de bêtises. Donc, on fera plus comme ça. Là, vous avez eu un haul quasiment que pour moi, sauf chez Clafouti, mais l'autre chez Al Tissu, c'est que pour maman, pour moi, exclusivement pour moi. Sachant que j'ai pas les patrons pour recoudre de la poupline. Mais en fait, j'avais comme idée, c'était de prendre mes t-shirts qui me vont, que je mets régulièrement parce que la coupe me va. C'est réellement, c'est le plus compliqué. Parce que j'ai une forme, vous voyez, les bouteilles de Badois, Rangina. Voilà, c'est ma forme. C'est moi, en fait, qui ai sponsorisé les bouteilles. Du coup, et ben, voilà, tout ne me va pas, loin de là. Et je m'étais dit, bah, quitte à faire quelque chose où je suis sûre que le patron me va, c'est prendre mes vêtements, les découper, comme ça j'ai directement le patron à ma tête. Et vu que je sais que je ne vais jamais maigrir, donc du coup, voilà, sachant que ma morphologie a changé après la grossesse, hein, beaucoup changé. La faute à qui? Hein? Au Kinder. Et oui, c'est les Kinder qui ont fait ça. Il a les canines qui sont en train de sortir. Il a les joues. Regardez-moi. Et oui, moi j'ai les joues rouges de nature. Hein, j'ai de la rosacée. Lui, il a les joues commasses, rouges. Parce qu'il bah, voilà, il a mal aux dents. Donc du coup, c'est bah, on est sortis. Bébé, maman, elle est moqueuse. Bah oui, mon chat. Pourquoi il jette Penaud? Vous allez voir Penaud? Eh bien écoutez, je vous fais de gros bisous. Mouah.
fourchette dans les tissus. Je vous fais de gros bisous, passez une très très bonne journée ou très belle soirée, tout dépend quand est-ce que vous allez visionner cette vidéo. Eh bien écoutez, à très bientôt. Et je pense d'ailleurs qu'il va falloir aussi qu'on parle des modifications sur la production de taille de ongles, parce que, soyons clairs, les autres sont passés par là, j'ai des copines qui ont fait des cadeaux pour mon bébé. Donc, il en a déjà pas mal. Et là, voilà, en gros, peut-être en taille 2 ans, j'aurais peut-être pas grand-chose à coudre parce qu'il est déjà pas trop mal assorti. Eh oui, bisous, bisous. Ah, tant pis, vous l'avez vu. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Bon, il a une sucette rose, mais c'est un garçon.